Alors bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, mais sur un jeu que l'on connaît déjà, qui est Kerbal Space Program, mais en 1.2.2. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pu jouer à Kerbal Space Program, et j'avais envie d'y rejouer. Je me suis dit, mais pourquoi pas aussi en faire une vidéo tant qu'on y est. Ben voilà, comme ça on découvre ensemble, et comme ça si jamais vous passez par là et que vous avez envie d'apprendre peut-être Kerbal Space Program ou juste vous amuser à regarder, parce que moi aussi hein, je fais ça, je regarde des vidéos juste parce que j'aime bien le jeu et voilà. Et j'aime bien aussi YouTubeur, mais bon. Alors, on va appeler cette save le retour, parce que c'est vraiment le retour. On va mettre en mode science, parce que ben, j'ai besoin d'un peu me remettre en place et j'ai besoin de me relancer. Donc, voilà. Alors, merci, ok. Comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va en fait directement commencer. Si je dis comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va directement commencer par faire la petite chose habituelle. Hop, hop. Alors, on va mettre ça. On va en mettre trois. Voilà. À la base, je me suis dit, je vais me réentraîner. Et puis non. Et puis finalement, j'ai en fait regardé les précédentes vidéos que moi j'avais fait. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pour une fois voir un peu de votre côté comment c'est. Parce que bon, et aussi, j'aime bien revoir ce que j'ai fait. Parce que c'est quand même sympa à savoir, se dire, ok, il y a des choses que j'ai améliorées, choses que je dois encore améliorer. Donc voilà. Alors, ben comme d'habitude, hein, hop, voilà, on met les stages, on met ici les parachutes. Alors, c'est parti. Alors voilà, moi je me dis, je vais d'abord faire en science pour qu'on puisse un peu s'y remettre à fond. Et puis, ben pourquoi pas, je me suis dit, alors refaire en mode carrière. J'avais arrêté, il y avait le mode carrière, hein, on l'avait fait en partie ensemble, je crois que j'ai fait 11-12 vidéos, un truc du genre. Mais bon, il y a eu des problèmes avec la mise à jour justement de la 1.2 qui a fait tout crasher. La même chose, ça a fait crasher pour la vidéo de le grand projet que je m'étais donné sur la station spatiale de la série 300, qui en fait n'est plus possible vu que la save est carrément cassée, donc impossible d'y retourner. Mais bon, je crois que je vais quand même y retourner, je vais quand même essayer. Donc voilà, j'aimerais quand même me recommencer parce que j'ai vraiment bien aimé faire ça. Et vous avez aussi bien aimé, donc ça c'était cool. Il y avait aussi un bon petit retour, une bonne petite équipe entre guillemets qui était là et qui suivait à chaque fois. Donc pour vous, ben, je m'excuse, mais vraiment. Et en fait, ça m'a presque dégoûté de justement avoir passé autant de temps. Et puis au final, ça n'a pas été. Alors j'avais encore réussi, j'avais fait une vidéo. Et en fait, ça s'est plus du tout. Ça s'était pas du tout sauvegardé. Enfin, ça avait sauvegardé qu'une partie, mais pas la plus importante. Et donc voilà. Oula, allez. Et donc, ben voilà, ça m'avait énervé et je suis passé à d'autres jeux parce que, ben voilà, il y a des moments où comme ça on passe, je ne sais pas pourquoi, mais on passe à d'autres jeux juste parce que ouais, on en a marre de l'actuel. Je suppose que c'est pour ça. Alors, hop, on y est presque. Oh, ça n'a pas explosé. Parfait, alors on va juste faire ici un EVA. Hop, EVA report. Take surface sample. Parfait. On re-rentre. Recover vessel. Alors voilà, là on aura déjà pas mal de science. Donc ça c'est sympa, on a 26 de science, donc on peut déjà un peu investir. Pardon. Alors, on va investir dans ces deux-là. Alors, maintenant, il nous reste 16. Donc, on peut investir soit dans celui-là, soit dans celui-là. Ah non, on peut pas. Ou alors celui-là. Et celui-là, ben, on va le prendre vu qu'il y a des choses en science. Il y a aussi le headshield, donc ça peut être intéressant. Alors,
Hop, on retourne et on va modifier notre système ici de base. Alors, bien évidemment, on va faire ça. Voilà. 1, 2, 3. On va dire 4. C'est bien tout en liquid fuel. Parfait. Alors, on va prendre ici ceci. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je devrais pas... Ouais, on va faire autrement. Donc, je vais ajouter, je crois qu'on a débloqué, voilà, on a débloqué ici un service bay. Hop, on va l'ouvrir. Et on va mettre certaines choses dedans. Parce que j'ai peur... Bon, celui-là, on va devoir le mettre là, parce que je sais pas pourquoi il déconne. Alors, on va en profiter pour ajouter ça ici. Alors, pour la science, voilà, on va mettre... Alors, je comprends plus. Alors, il faut que je retrouve les touches, mais... est-ce que c'était... Comme ça, voilà. Alors, il y a ça, il y a celui-là. Voilà. Et je vais en profiter pour mettre aussi celui-là, donc autant en profiter. Alors lui, par contre, je vais devoir le mettre à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va peut-être juste en dessous, j'ai vu qu'on avait de quoi le ralentir. Ah, on peut envoyer... Ah, c'est intéressant, mais comme on n'a pas encore de batterie, ça va être dangereux, donc on va pas le faire. Parce que comme ça va consommer de la batterie, etc., je préfère pas au cas où, parce que sinon on pourra plus rien contrôler, et donc ça ne va pas. Alors, est-ce qu'on se mettrait des parachutes de secours au cas où? Je crois qu'on va faire ça. On va en mettre genre deux. On va les mettre ici. Et eux, on va les mettre... Faudrait que je trouve le raccourci pour ça. Je sais qu'il en existe un, mais à chaque fois, j'oublie de le regarder. Alors, voilà. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été texturé ici. Ou alors c'est fait exprès, mais... Enfin voilà, moi je trouverais ça beaucoup plus beau de texturer ça. Enfin. Alors, on est là. On va mettre ici. Alors, on va en mettre 4. Voilà. Alors, il y a toujours ce petit trou ici. Bizarre. Voilà. Et puis, je vais quand même mettre un découpleur. Voilà. Et puis, on va mettre un Solid Fuel Booster. Voilà. Hop. Alors, j'espère qu'on sera stable. C'est vrai que ce sera le petit challenge. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, on va régler ici. Donc, on commence par ici. Puis, ça ferme ici. Puis, on va ajouter juste là. Comme ça. Puis, comme ça. Et comme ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, je vais quand même vite faire. Donc ici en fait les stages, c'est du plus grand au plus petit. Et donc on passe d'abord par le 4, puis le 3, puis le 2, puis le 1, et puis le 0. Et donc voilà, à chacun c'est son moment de gloire. Et c'est le plus haut qui commence. Alors, on peut rien faire de plus spécifique je crois. Ce que je vais faire, je vais peut-être en mettre 2 de chaque. Ici. Alors, science. On va peut-être en mettre... Ouais, peut-être pas 4. Non, pas 2 non plus. Enfin, si 2, mais... Hop. Voilà. Et température, même chose. Voilà. Hop, on y est. Submersible, je vais pas aller dans l'eau. Mais c'est ça, c'est pour dans l'eau. Donc, je compte pas aller dans l'eau pour le moment, en tout cas. Après, je sais que c'est possible. Je sais qu'ils ont rendu ça possible, que maintenant, on pouvait un peu faire ça. J'ai vu des vidéos aussi des plus grands faire des choses comme ça. Et on comprend pas, on sait pas comment ils font, mais bon, on essaie de reproduire, ça marche pas. Mais bon, on leur fait confiance. Et donc, voilà. Alors, on va lancer, hein, tant qu'on y est. Bah oui, ça fait que 10 minutes qu'on est ensemble. Je vais essayer de faire des vidéos de 20 minutes à peu près.
C'était le format que j'avais choisi sur les précédentes vidéos. En tout cas, en Kerbal Space Program, donc voilà. Alors, vous pouvez entendre que je suis un peu enrhumé. Désolé pour ça. Donc voilà. Ok, alors, c'est parti pour Jebedai. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on peut voir qu'on est déjà beaucoup plus lent que là tout à l'heure. Ce qui est normal, hein. Voilà, alors, on a bien ici tout ça. Alors, je vérifie ici parce qu'en fait, j'ai fait des tests un peu avant pour voir si tout fonctionnait. Et ben justement, ici, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et donc, c'est pour ça que je regarde plusieurs fois parce que là, tout à l'heure, ben, j'avais voulu faire un test juste pour voir si je pouvais m'envoler. Et non, je ne pouvais pas vu que c'était vide. Donc, j'ai supprimé un mode et ben, ça a fonctionné, heureusement. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut faire, je vais arrêter ici. Hop, open, on va log, voilà. On va également log la température. Voilà. Et on peut peut-être un peu continuer. Est-ce qu'on arrivera à aller en dehors de l'atmosphère? 75 000, ouais, voilà. Hop, on va faire ça, comme ça on garde encore un peu ici de réserve. Alors, on va accélérer tout ça, juste histoire de passer, de sortir de l'atmosphère. Voilà, 65 000, c'est parfait. Alors, on va faire maintenant à nouveau log température, 7,2. On va faire ici Mystery Go. 9 et log température. Log magnétomètre, pardon. 5. Eh bien, voilà. Alors on va faire, oui, un cool report plus 5 et on va sortir en EVA et on va faire un EVA report. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors j'avoue que je vais assez vite maintenant, c'est vrai. Désolé pour ça, pour ceux qui justement ont un peu du mal. C'est vrai que je vais assez vite. Désolé pour ça. Donc voilà, je vais. Alors, est-ce qu'on peut encore faire autre chose? Je ne crois pas. Alors, on va fermer. Bon, ben, on va attendre. On va une fois voir où est-ce qu'on va réatterrir. Ah oui, alors, c'est vrai, j'ai complètement zappé ça. Donc, on est en 1.2. Ce qui veut dire que maintenant, on a le système en fait ici de signal. Et donc, c'est vrai que j'ai pas du tout vraiment testé encore pour le moment, mais ça m'intéresse vraiment parce que ça a l'air plutôt sympathique et ça ajoute vraiment une, allez, pas un objectif parce que l'objectif pour le moment, ben, on sait toujours pas ce qu'il est, hein. Faut dire ce qu'il est. Mais voilà, je trouve ça intéressant de devoir gérer ça en plus en fait. C'est une difficulté en plus qu'un objectif. Donc voilà, alors on va bientôt revenir dans l'atmosphère. Et donc on va pas tarder à brûler. Alors, hop, j'utilise ça pour pouvoir un peu nous ralentir. Bon, c'est vrai que ça n'a pas servi énormément, on est d'accord. Ah non, non, non. Allez, allez, allez. Faut pas qu'il se retourne. Ça, c'est toujours les petits soucis, mais c'est bien, on a ralenti ici, donc je vais lâcher ça. Comme ça, on peut peut-être tourner. Chaud. Mais voilà, hop, on est à 5 000 mètres, on a, ouais, c'est bon. On a nos trois parachutes, c'est bon, on va y arriver. Alors, hein, j'ai peut-être, j'ai pas les trucs, j'ai pas mis les landing struts, donc c'est les, comment on appelle ça? C'est les. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. C'est pour atterrir. Je trouve plus le nom. Aucune idée. Alors, on accélère un peu le temps parce que c'est toujours le petit truc qu'on attend, hein, toujours. Mais voilà. Alors, 700 mètres. Allez, un peu plus vite, ce serait cool.
Oh là là. Allez. On peut peut-être en profiter. Est-ce qu'on en a encore ici, je crois. On va peut-être faire un mystery goût ici. Ça peut être intéressant. 1,1. Ben voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà. Alors, on va à 3 mètres secondes. Donc, ça va. Hop là. Parfait. Alors, on va peut-être sortir pour pouvoir, en fait. On va faire ça. Voilà, et un petit EV report. Parfait. Alors, est-ce qu'on sait. Ah oui, on est toujours en vitesse, c'est pour ça. Bon, est-ce qu'on va faire? On va faire Recover Vessel. Donc, c'est Recover en fait Jebedi. Et on va après récupérer ici. Voilà, elle est là-bas. Recover. Ok, on a 68 de science. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir un peu plus aller. On va pouvoir aller un peu plus loin. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a. Ah, ça, c'est vraiment important, je crois. Il y a ça, et il y a celui-là. Celui-là qui coûte 20. Donc on a juste assez. On a juste assez. Ben, c'est cool, ça. On va d'abord prendre celui-là. Au cas où j'ai pas bien compté, mais voilà. Hop, 20. Parfait. Ça, c'est bien. Ouais, c'est cool. Alors, c'est reparti, hein? Alors, ah, on peut commencer à faire ça, donc c'est should keep it going for about 10 minutes. Ok, donc on a besoin de batterie, donc on pourra pas encore lancer ça, mais peut-être bientôt. Alors, on va enlever ça. Hop. Alors, on va mettre ici 1, 2, on va mettre 3. Hein. Voilà, on va mettre comme ça. Alors, celui-là, on va changer et on va mettre l'autre. Celui qu'on le nouveau. Hein. Ah oui, c'était lequel? Je crois que c'est celui-là, le nouveau. T45, T30. C'est peut-être celui-là en fait le nouveau. Écoutez, on va mettre celui-là et puis je vais aller vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a bien sûr ce qu'il ne faut pas oublier, hein, naturellement. Notre nouveau module de science. Qui sera très très intéressant. Ah oui, on n'a pas que ça en fait. Je croyais qu'on avait que ça, mais non. Alors, bon, ça on va pas encore mettre, mais ça sera vraiment intéressant. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Écoutez, je vais le mettre. Je me souviens plus exactement à quoi il va servir. Je crois qu'il va servir à analyser la surface de la planète. Mais je ne suis pas sûr, donc je préfère quand même le mettre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va mettre No Landing Stress. Je trouve toujours pas le nom. C'est des choses pour atterrir. Pardon. Alors, vérifions si on n'a pas des nouveaux petits trucs ici. Donc la science, ben, on n'en a pas plus. Une antenne ici. Ah, on a des batteries. Ah, ça c'est intéressant. Mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas de panneau solaire. Et j'ai pas envie d'envoyer juste pour envoyer et puis après le jeter à la poubelle.
Bon, écoutez, on va lancer comme ça. Non, on va d'abord peut-être changer ici. Voilà. Hop, puis lui, puis lui, puis lui. Ouais. Alors, ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Ça fait 20 minutes. Eh ben, écoutez, on a fait maintenant notre vaisseau qu'on va nommer ici vaisseau 1. Voilà, on l'enregistre et comme ça, prochaine vidéo, on lancera directement notre vaisseau sans devoir attendre de le créer. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!